Bonjour, moi c'est Juliette, 13 ans. Et moi c'est Justine, 12 ans. Nous allons vous présenter un manga qui s'appelle Radiant, écrit par Tony Valente. Un auteur français. Alors l'histoire, ça se passe dans un univers fictif où il y a des monstres, les Némésis, qui tombent du ciel. Quand un humain touche ses Némésis, soit il meurt instantanément, soit il devient un infecté, il a une infection. Et alors les infections, ça peut être tout, c'est-à-dire cracher de la glace, avoir des plumes, enfin ça peut être absolument n'importe quoi. Et alors les infectés, quand ils deviennent infectés, voilà, ils ont leur infection. Et en plus, ils peuvent manier le Fantasia, qui est la magie de l'univers de Radiant. Et alors donc c'est l'histoire d'un adolescent, Seth, qui a été élevé par une sorcière, Alma, qui est elle-même une infectée. Et donc Seth est aussi un infecté, il a des cornes. Et il a une particularité, c'est qu'il peut manier le Fantasia avec les mains, alors que normalement, les sorciers, donc les infectés, doivent le manier avec des accessoires. Et donc son but, ça serait de trouver le Radiant, qui serait le berceau des Némésis. Ah, et petite précision, il y a aussi une inquisition qui régule les infectés, et les infectés sont très mal vus dans ce monde. Voilà. Alors moi, j'en ai pensé que du bien. J'ai trouvé ça vraiment super, on rentre bien dans l'histoire, les personnages sont drôles, et franchement, c'est agréable à lire, il y a de l'émotion, il y a des moments où j'ai pleuré, donc c'est vraiment très bien. Oui, moi aussi j'ai beaucoup aimé, beaucoup d'humour, c'est bien parce que c'est pas juste du combat tout le temps, une bonne intrigue, et les personnages sont attachants, avec tous leurs personnalités différentes, c'est vraiment bien, très bien.